Hey Billy! Hein, quoi? Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pensé à une idée cadeau? Une idée cadeau? Mais pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël! Noël? Mais pas du tout! Eh bien, dans ce cas-là, la Saint-Valentin! Non plus! Mon anniversaire? Non! Pâques? Non! Le Ramadan? Toujours pas! Le printemps? Le printemps... Oui, techniquement, le printemps, ça compte. All scare! Oh, bah d'accord! Tu cherchais juste un prétexte pour me vendre des trucs! Et comment? Avec All scare! Des bijoux faits par des joailliers autrichiens, avec un accent porté sur l'écologie, les matériaux naturels et les prix abordables! Y'a même des montres véganes! Des montres véganes? Attends, quoi? T'as vu ça, Billy? Et leurs prix aussi sont écologiques, regarde! Grâce au code de promotion Bob les Notes 15, tu peux bénéficier d'une réduction de 15% sur toutes tes commandes! Oh mon dieu! Le prix est vegan aussi! Il y a de tout! Montre pour hommes, montre pour femmes, ensemble de bijoux ultra classe, des bagues, des bracelets et des sacs à main en pierre! Ils sont vegan eux aussi? Oui, ils sont en pierre, Billy. Je pense que ça compte, oui. Oh mon dieu! Tellement de choses qui brillent! Tellement de bling que porter des vêtements devient superflu! Oh! Mais, de quoi? Mais Billy! Laisse-moi vivre mes rêves! Billy! Remets ce pantalon immédiatement! Oh, c'est pas drôle, si on peut même plus s'amuser pendant une OPSP. All scare est là pour toutes vos idées cadeaux. Alors n'attendez plus et cliquez sur le lien dans la description pour vous aussi vous acheter du style grâce à All scare! Tu sais, ça doit faire la 4e ou la 5e fois que tu leur fais la pub et on sait toujours pas comment ça se prononce. Tais-toi et souris, Billy. Souris pour le Mais, ton pantalon! Jamais! Billy! Je suis libre! Non, Billy! Ton pantalon, j'ai dit! Ouah! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et aujourd'hui, nous jouons à Chouchou Charles, Thomas, le petit train meurtrier et assassin. Bah, ça spoil avec les images en bas à droite, c'est fantastique. Dans ce jeu, c'est à la Spirit Tracks. Vous avez votre petit train et le but du jeu est de fuir l'espèce de train araignée meurtrier mangeur d'hommes qui vous poursuit. Pour le LOL, mode classique, let's go. Chouchou! Le creepypasta, allons-y. I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island, real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Amenez les RPG, amenez les stingers, amenez les mines. Mais en vrai, ce monstre, il a besoin de rails pour se déplacer ou il peut se déplacer sur la Terre? Alors, s'il a besoin de rails, c'est de la merde. Sir, they call him Charles. Half train, half giga spider from hell. Ah! We've been planning his demise for some time now, and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Okay. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Les éléments interactifs, clic gauche, passer le conseil sur X. Ok. Des explosifs. Ok, donc Aradeum, l'île sur laquelle se trouve Thomas, le petit train meurtrier. Petite pleine lune, on est bien. Pourquoi c'est aussi clair? Alors que la lune, elle est là. Pourquoi le soleil? Pourquoi il y a à la fois le soleil et la lune? Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Mec, t'es maigrelet. Comment ça marche? Attends. Ça commence mal, je peux pas passer le tuto encore. J'ai plus rien à perdre. J'ai essayé de rejoindre le continent à la nage. Tout du moins, essayer. Les chances de succès sont minces, mais elles semblent toujours plus favorables que la vie sur ce rocher maudit. Ah ouais, il est pas allé loin, hein. T'es pas allé loin, frère, hein? Bon. Et puis surtout, bon, je veux pas dire, mais t'aurais peut-être pu te choper une caisse en bois, quelque chose, enfin. Non? Bon, d'accord. Il n'y a rien que je puisse prendre. On passe cette porte, on rentre dedans? Non.
There's a train shed at the top of the hill. Okay. One of the train operators was killed early on by the beast. So his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. L'île secrète SNCF, oui. L'équivalent de leur Australie. En fait, c'est ça, hein, c'est un train australien. Mi-train, mi-araignée avec une barre de vie. Putain, il trace Papy Mougeot ! Oh, mais... Oh, mais Papy Guermont, là ! Mais la vache, il met des sprints ! Putain, il tape des sprints d'Ukrainien quand il y a une réduction sur OnlyFans ! Ça veut rien dire ! Mec, ça va ? Mec, ça va ? Putain, il arrive pas à allumer son Kaioken. Ah, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a key and take this map. I just see if the key is up there. Blablabla, ok, ouais. Ok, la map. Ok. Attends, une seconde. Dézoom. Alors, ok. Ah. D'accord, ok. Le jeu est... est plus qu'honnête, en vrai. D'accord, le jeu est généreux. Avec des embranchements de train. D'accord, je vois. Première mission débutant, requis. Visitez la cabane de proximité pour trouver la clé de la gare. La flèche bleue indique votre position actuelle. Ligne blanche, les réseaux ferrés. Les flèches rouges, les séparateurs de voies. Les PNJ, les missions. Et ajouter des points de passage pour voyager plus rapidement. Oui, mais ça sert à rien. C'est... Plus efficacement, j'imagine. Enfin bon. Il n'y a pas de barre d'endurance. C'est la clé. Seems nice. Consulter les objets avec inventaire. Ok, inventaire, clé de la gare, une clé en or. Beaucoup de mythes. Ok. L'île est tentée, braves gens, par des tringarous. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Oh le beau. Charles, c'est lui, il est déjà allumé. C'est bon ça. Utilisez le train pour parcourir rapidement l'île. À la fois une arme et un bouclier contre vos ennemis. Votre point de réparation sur les choses se corse. Interagissez avec les objets autour de la cabine pour les apprendre à les utiliser. Ça c'est le train. État du train, réparer. Vitesse, augmente la vitesse maximale avant et arrière. Augmente les dégâts de toutes les armes. Réduit tous les dégâts subis. Putain, ça a l'air important. Utilisez à toutes les actions pour tirer. Les armes sans reste, si elles sont utilisées trop longtemps, les armes de munitions sont limitées. Cool. Les armes peuvent être emportées en implication d'une mission. Ouah, bien 7 à 8 secondes dans Raymond. Hein. Donc faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Hein. Faut être généreux mais pas débile. Ok, avancer, reculer, mais pour l'instant c'est pas actif. Et ça c'est le stop. Je vois. Est-ce que je peux ouvrir la porte au préalable ou est-ce qu'on... Lampe torche, des explosifs. Des tiroirs avec rien du tout. Une porte à l'étage. Que Chi et que Pouic, respectivement. Putain. Super. Bon, bah... Let's go. Je peux pas encore y aller? Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Woo! That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. But it sure looks fun to use. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Let's go. Le levier central fait avancer le train. Le levier de gauche fait reculer le train. Et le levier de droite arrête le train. Descendre du train en marche arrière. Descendre du train en marche l'arrête immédiatement. Ok, cool. Yeah, baby! We're
coming for you, Charles! Ok. Do you hear that? It's him! It's him! Où ça? Oh shit! Le vieux! C'est ça, tire-toi! Jesus shit! Pardon. Ah. This isn't how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Yes, sir. Easy in, easy out. You don't need to do more than I thought. I don't have time to explain. Find the eggs. Les œufs. Find my son. Bon. Pas de panique. Ça, c'est pour éviter qu'il redevienne une machine, au cas où. Ok. La situation est un peu merdique. Du coup, PNJ a rencontré mission facultative, mission requise. Ok, bah, let's go. Le train en a pris plein la gueule, malheureusement, par contre. Il y a un petit totem. Ok. Freine. Il y a des ressources là, comment ça se passe? Pourquoi y'a un campement s'il y a que dalle? Qu'est-ce que c'est que ça? Des débris peuvent être utilisés pour améliorer le train. En voilà une excellente nouvelle. Est-ce qu'il faut améliorer de manière évidente? De manière évidente, c'est soit la vitesse, soit la puissance de feu. 2-3 débris pour le niveau... Non, 3 débris pour le niveau 2, ok. Y'a des gens qui vivent sur style, mais oui! Les panneaux indiquent les séparations. Le signal milieu sera la séparation indique la séparation d'un train interagissant avec le levier au sol pour modifier la direction. Shit, je veux partir à droite, moi. Je suis peut-être un peu attardé. J'aime pas ce bruit du vent. Ok, c'est switch. Et bien sûr, en plus, faire changer le sens de l'aiguillage ne marche pas sur Thomas, sur Charles, ce bâtard de train, bien sûr. Petits asticots. Putain, les petits bruits de la forêt là. Il manquerait plus qu'il fasse le bruit de Thomas, tu sais, le pain 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 pain. Et on ne peut pas améliorer les freins. Bonjour madame.
Madame, ça a l'air d'aller. Madame, votre âme m'intéresse, madame. Eugene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just mark it on your map anyway. As a side note, talk to anyone around here. They'll do whatever they can to help. Anyone not wearing a mask, that is. Comment ça, ceux qui portent pas de masque? Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Bon ben, merci mademoiselle Candice. Forte aimable, mademoiselle Candice. Putain. Eh ben. Miam, miam, miam. Nous avons été, on ne peut plus patient, mais les derniers jours ont été pour le moins chaotiques. Charles a été plus agressif ces derniers temps, au point où je commence à craindre qu'il ne reste plus grand monde lorsque l'aide arrivera. Bon courage, Eugène, on compte sur toi. Et là, on a la map. La map de cette île à la con, ouais, mais ça nous aide que dalle. Et un plumard, ok. Aouh. Merci, merci, merci madame. C'est bon, passez le conseil, ok. J'ai qu'une peinture. Bon. 10 débris. Je voulais pas. Je voulais pas, je voulais pas. Mais maintenant que c'est fait, je le regrette pas. Je regrette rien. Je voulais pas tout mettre en vitesse. Je voulais genre cliquer un coup, mais c'est pas grave. C'est quoi encore cette histoire? Débris gratos dans une grosse caisse jaune. Coup de bol. On est sauvé. Doucement, doucement. Là, on devrait pouvoir trouver du bordel, là, n'est-ce pas? Ok, let's go! Go, 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 go! Du scrap. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. On en veut tous les jours, ça. En attendant, je reste prudent et lucide. Ça s'ouvre ça? J'ai pas la clé. Plus de scrap métal. On apprécie ça. J'ai regagné de la vie aussi, hein, j'ai remarqué. Croyez pas que j'ai pas fait attention. La vie remonte quand on te laisse tout seul tranquille, et ça c'est une bonne chose. Oh putain, il m'a mis la pression ce con. On va prendre tout le scrap d'abord. Look, kid, I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them. Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. Ok, cool. Donc j'ouvre le coffre, pas de problème. Pas de problème, madame le juge. Y'a pas moyen de sauvegarder? Non, pas moyen, ok. Pas de problème, let's go. Et accessoirement, dans le train. Pas de chose dans le train. Oui. Ah, ça fait une grenouille. Ah. Bah. Ok, ok, mais excuse. Voilà. Ah, putain. De la patience, de la patience.
Oh, j'ai pas été patient. De la patience. De la patience. De la patience. Là. Merci. Ok. Une tablette ancienne avec d'étranges dessins d'araignées gigantesques. Ok. Nice. Overall, ce cimetière de train aura été d'une lucrativité à toute putain d'épreuve. Well, fancy fingers here got the chest unlocked. That's an odd-looking piece of junk you found inside there. Bit of a letdown, to be frank. You earned my respect, so here's some scraps, like I promised. Cool. 37. Je commence à avoir un chiffre assez imposant. Apparemment, dans le jeu, on peut trouver des pots de peinture aussi. Ça m'intéresse de savoir où. Si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas. Parce que si on peut changer la couleur de ce merdier, let's go. Hein. Ok, 37 débris. Avec ça, on travaille. Bon, déjà, ça vaut la peine peut-être de réparer, mais je suis pas sûr encore. Je suis pas sûr. Ouais, les dégâts, ça c'est certain. Voilà. Un peu d'armure. 10 débris, une vitesse. Là, pas mal. Pas mal. Réparer, c'est 10% par scrap. Chier. On verra bien. Scrap. C'est fermé. Fais le tour de la baraque déjà avant de... Et là, ça me dit qu'il y a une petite route qui mène à là. Là, on voit le scrap sur la map PTDR. Regardez. On le voit. Là, il y en a. Là, il y en a. Là, il y en a. Un tout petit peu plus loin sur la route. Il y en a même deux, là, sur la route, là. Juste sur ma droite. C'est dingue. Je sais pas où est l'autre, là, du coup. Elle met un plus tôt. Juste derrière moi, ça dit. Ah. Effectivement. Ah putain, faut être vigilant, hein. Là, il y en a. Là, il y en a. D'accord, d'où l'intérêt de mettre des marques, en fait. Mais le problème, c'est que tu peux en mettre qu'une seule. Ce que je trouve dommage. Là, t'as 1, 2, 3, 4 scraps. Ça a pas l'air comme ça, mais il y en a au moins 3 sur cette île à la con. Et là, il y a des choses qui se promènent. Ça a l'air d'être piaf. Le monde est constamment modélisé, je trouve ça génial. Il y a un coffre jaune qui est ouvert. Là, il y a rien du tout. Ah là, j'ai oublié un scrap ici. Tant pis. C'est pas ce qu'il y a là, tout est mystérieux. PNJ a rencontré mission d'armes. Vous savez quoi? On va explorer, on va prendre le risque. Plutôt sur la route, juste derrière le deuxième arbre. Là, le voilà. Ok. On essaie de tout récupérer. Hein. Là, il y en a un peu plus loin sur la route. Et là, en suivant la plage, directement. Ok. Juste devant le PNJ. Très légèrement sur ma droite. Là, le voilà.
Pas mal, pas mal. Il y a une vieille sorcière, mais juste avant de parler à la sorcière Wiccan, fouille son appart. Recette ragoût délicieux. Eau du marécage, sel, trèfle, boue, sel, viande et sel. Humaine incluse. Haha, dit la vieille. Ok, de la viande humaine, pas de problème. Pas de problème, mademoiselle. Quand tu scrapes. Ça nage. Ça nage. Ça nage pas. Moins 3 débris. Fuck. Bon, ça nage pas. Hein. Ah, c'est 10% effectivement de durabilité. Bon, ça nage pas. Ça nage pas. Est-ce que j'aurais parlé à la vieille d'abord ? Par contre, c'est assez injuste, hein, je tiens à le dire, monsieur le juge. C'est plein de trucs là au centre en plus, hein. J'explore, hein, j'explore. Donc là, c'est la cabane du vieux Daryl, et là, il y a un autre truc aussi là-bas. Putain. Scrap, bien sûr. Toujours vérifier les endroits couverts, parce que les endroits couverts ne sont pas. N'apparaissent pas sur la map. Les petits bruits de la maison. Petit bruit de la maison sur la gauche, ça met la pression. Un tout petit peu plus loin là, sur la route. Ok, ça va bien se passer. Ok. Bon, j'espère que près des PNJ, c'est un peu safe. Bonjour, madame. Well, hello, darling. I'm making a fresh stew with ingredients for my very own swamp. But I don't have any meat at the moment. I smell a carcass on the island in the swamp, and if you wait over there and bring it back for me, I'll pay you some scraps. Although, you'll need to be wary of Barry, the swamp monster. Keep an eye out for him splashing around. And don't move if he gets close to you. As long as you stand still, he's as kind as a kitten. D'accord, tout s'explique. Ok, merci madame. Alors, du coup, il faut passer par la flotte, pour la voir ou... Récupérer de la viande, ouais, je suis lucide sur cet état de fait. Là, il y a du scrap, là aussi. J'espère que j'ai le droit de bouger la caméra, sinon ce serait assez pété. Ok.
Ok, cool. Nice. Trois scraps. Ok, cool. Mais pas sur ma route, mais pas sur ma route. Bonjour. Salut. Oh oui. Oui, t'as un beau crapaud, oui, oui, oui. Sois sage, tire-toi! Tire-toi! Non, saleté! Ah, il me lèche! Oh! Ah! Passe entre les cuisses. Tire-toi. Allez. J'y suis. What a delicacy you found. Merci, mamie. Here are those scraps I offered. Have a safe night, little one. Merci, mamie. 35. Putain, mamie, elle nous a refait. Elle nous a refait. Bon. On pourrait aller jusque là. En suivant la route. À quel point c'est fiable d'y aller à pied ? C'est pas fiable, n'est-ce pas, hein? Je suis loin. Alors ça va être un problème par contre. Ça va être un problème. Pas assez de virages, pas assez d'angles. Recule!
Ok. Bon. Crise évitée. T'as pas parlé au PNJ ou t'étais arrêté au passage? Ouais, 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 j'en ai pris plein la gueule par contre. Hein. Chier. Il nous faut les max des dégâts. Hein. Y'a que ça pour le repousser de manière efficace. Ok. On est même en fait, mais on a survécu à ce gangbang ferroviaire, absolument. Par contre, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qui faisait que il était prévenu qu'il arrivait ou pas, en fait. Je vois pas du tout de scrap. Attends. Voilà, appelle ça. Ok, là, nice. Ok. Quand il fait un son et une musique, il est là. Ouais, mais si je suis en dehors de mon train, je suis baisé, hein. Si je suis en dehors de mon train, le sexe est maximal, hein. Ça, c'est le genre de jeu qui me donne envie de baisser les graphismes pour mieux repérer les scraps. Ah. Ok, tout va bien. En tout cas, c'est marrant, hein. C'est débile, mais... Au secours, hein. Ouf. Ah. T'as oublié un scrap? Ouais, ben, tant pis. Merde. Chier. Là. Oh, plein de scrap. Maximum scrap. Quelqu'un de l'équipe vient de repérer mon radeau. Impossible de me risquer à t'attendre. Ils reviendront d'un moment ou l'autre. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'emmener avec moi, mais sois assuré que je t'enverrai de l'aide pour vous évacuer de l'île, toi et les autres, dès que j'atteindrai le continent. Qu'est-ce qu'on sait pas qui c'est? Ce marteau serait utile. Dargue. C'est pas grave, j'ai rien. D'accord, du sang partout sur le radeau. Pas un seul bout de scrap. Nulle part sur l'île. On voit pas non plus sur le terrain. Vous savez, j'en avais oublié un bout dans le cimetière de train. Je crois que c'est ça, là. Et rien n'est moins sûr. Bon. Let's go! Let's go! En tout cas, je sais pas combien de temps on a de je sais pas combien de temps de grâce on dispose après avoir exécuté Charlie et la chocolat tabasserie. On avait bien raclé l'affaire quand même. Il n'y avait rien du tout, c'était juste une texture au sol. Quand même, le jeu est précis, hein. La map monde, le fait que toute la map soit chargée d'un coup, je trouve ça clean en fait. Ok. Papillonne tant que tu peux, Bob, mais bien sûr. More weapons! Je vais parler au bleu ou au rouge d'abord? Au bleu. On va parler à tout le monde. Allez. The monster hunter has arrived, I see. Bonjour madame. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness if he is sufficiently harmed. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will,
provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. Et merde! There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. Merci, madame. Super spéléologie. Préparation anale. Là, il y en a quelques-uns sur cette plage. Mais finalement, les scraps, il y en a un petit peu partout, tu vois. Si tu suis la route, le centre du lac, là, si tu fais le tour, t'as un peu de scraps, c'est bien. Mais ça te sécurise pas des masses parce que t'es loin du chemin de fer. En revanche, là, il y a des choses. Et là, tu peux être certain que là, tu vois, il y a du scrap ici aussi. Là, il n'y a rien dans les hauteurs, c'est la bite. Là, il n'y a que dalle. Et enfin, là, il y a le vieux Mac Croquette. On va y aller. Dès le début à l'entrée, autour de son patio, il y a du scrap. Là, il y a du scrap. Go. I'm Popeye the Sailor Man. Alors, son patio circulaire, là, voilà le scraps. Bam, c'est ce qu'on a aperçu. Celui-là qui est en hauteur. Boum, on est refait. C'est deux scraps. On va pas tout récupérer, mais au moins tout ce qu'on peut. Ah, ma bite. Ok, tout va bien. Bonjour. Ouh. Ah. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that has slightly backfired. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. I would love to save the shed, though. If the flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting, so, a weapon like this could come in handy. Ok, Chier. Alors, comment éteindre cette merde? Il doit y avoir un château d'eau par-dessus. Ok, très bien. Et désolé pour vos réserves de flotte, hein! Buvez de l'eau de mer! C'est souverain contre la connerie! Ah! Arc! Ok, Oh! De la peinture! Du scrap! Using the water tank to put out the fire! Pure genius! Woohoo! Here, take old bug spray. Cause of this chaos. I don't want to see it anywhere near here again. Cool. Merci, monsieur. J'entends des petits bruits de tchoup 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 tchoup. Ça met la pression. Hey! Super! Voyons voir. Lance-flamme. Alors, dégâts, portée, ralentissement, cadence de tir. Ok. Dégâts faibles, portée, ralentissement et cadence de tir. Ouh. Je suis pas sûr que ça me sexe, mais you know what? I'm okay with this. On s'adaptera. On s'adaptera, on s'adaptera. On est pas mal, on est pas mal. Alors, voyons voir. Avancer jusqu'à la mine, ouais. Et à partir de là, du scrap et du scrap métal, il y en a partout, par ici. Notamment dans cette petite montagne jusque là. Il y en a un sur le bord de la route et un en face de ce grand truc pourri. Let's go. Tout, tout. Peut-être un peu plus loin.
Pas bien plus. Ok, là, ça devrait être sur la gauche, quelque part. Bah voilà. Regardez. Boum! Tout se goupille. Et là, juste en face de la cabane à caca. Boum! Tout se goupille. Dans la cabane à caca, il n'y a personne. Boum! L'exploitation minière se déroule sans heurts et nous voyons déjà les signes d'un filon solide. Les outils tiennent le coup, nous avons fini de construire notre abri. Nous ne sommes ici que depuis peu, notre installation se déroule bien. Notre rythme et calendrier de travail commencent à être rodés. Bon bah, bravo les mecs. Ça met la pression parce que j'entends constamment le... Ok. Comment ça se passe à l'intérieur? Pas moyen d'être discret, donc j'imagine que... rien à faire, mais apparemment il y a des gardes armés. Ça met la pression. Creuser le tunnel le plus éloigné a fini par nous amener à un mur, lequel donnait sur une grande caverne. Quelque chose d'étrange s'y trame, sans que je puisse préciser ce qu'il en est. Nous demanderons à Monsieur Warren, qui visite la mine du Sud, plutôt pour nous donner des amples instructions. Merde. Penchez-vous à gauche pour ne pas vous faire repérer par les ennemis. Où ça? Le problème, c'est que moi, je les vois pas, les pégus. Je vois personne. Je fais un bordel. Ok. Peinture verte. Hey ! Impeccable. Ils sont où ces connards? Putain. Putain, paraît-il qu'il y avait des mecs, je les ai jamais vus. Ah oui, des anciennes peintures rupestres, carrément. Jamais vu un être humain in my entire life. Hey, get out of here. Shit. Eh ben j'ai même pas vu à quoi il ressemblait. Osef, j'ai la cam. Heureusement que j'ai mémorisé. J'ai pas mémorisé. Zigzag, zigzag! Zigzag! No one can hear you screaming out here. Ouais, TKT frère, TKT! Hop! Hop! Pa-la-pa-pam, pa-pam, pa-la-pam-pam! Adieu connard! J'aime pas à quoi tu ressembles! Tiens, j'arrose!
Cette escapade, mon gars. Hop, on passe en vert, ça m'amuse. Bon, j'imagine qu'il me lâche le grappin au bout d'un moment aussi. J'ose espérer, parce que sinon je suis dans la mouise. Jusqu'au prochain croisement, du moins. Bon, il a l'air de me foutre la paix. Ça s'est bien passé. Eh, ça s'est bien passé, on va pas s'en plaindre, hein. Surtout que je maîtrisais que dalle, moi, je rappelle. Donc, je préfère le tour du lac pour récupérer plein d'items. Mais en vrai, est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas. Rien n'est moins sûr, je vais être sincère avec vous. En fait, ce serait possible, mais si j'avais pas... Enfin, voilà. Là, par contre, il va peut-être falloir... S'arrêter là. Pile. Ok, il va falloir couper à travers les plaines. Tu peux tirer la corde à gauche dans ton train. Ah, on testera, tiens. Ok, au moins on a une vue bien dégagée. Si on doit mourir, on sera prévenu. C'est la bonne nouvelle, tu me diras. Allez, scrap métal, c'est gratuit. Des bouts de bois. Un truc pour de la flotte, ok. Bonjour madame. Ça s'ouvre, super. Pénétrons. Les cornichons sont amour, les cornichons sont la vie. J'aime les cornichons, ils sont mon petit bonheur. Cornichons. Très bien. Ah, j'entends un chouchou au loin. Quand on l'entend au loin faire chouchou, à combien de pourcentage il est sur notre cul? I need my pickles. Ok. I ate the last jar of pickles I had in my house. And there's only one jar of pickles left on the island. My secret jar of pickles. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle key. Someone else on the island might have some lock pickles. I mean, lock picks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. Okay. Super. Remarque, si je suis dans une caverne, je suis safe, n'est-ce pas? Scrap sur la route. Scrap en hauteur. Vous moquez pas, hein. C'est une quête comme une autre. Hein. Elle est chaude pour ses corniches, y'a pas de problème, moi. Moi, je fournis, j'impacte. Je subtilise. Dégâts de chute de Dragon's Dogma 2. Ah putain. C'est bon ça. Rien à gauche là. Non, rien, vous mitonnez madame. Ouais, vous mitonnez, ok. Ok. Ouais, we're clean. Le vent est assez fort. J'irais même jusqu'à dire un peu terrifiant. Un pot de peinture. Hé hey, violet, mon gars. Ah. Hop. Ok. À votre avis, dans cette caverne, je suis safe ou pas? Cornichon. Très bien, madame. Voilà. Pot de cornichon géant, let's go.
Là, il y en a. Mais il est tout au bout du chemin et ça sert à Cud. Et là, après, il y en a au-dessus. Je suis bien déconvenu quand la bise est venue. Putain. C'est pas le train qui va te buter, c'est la folie des cornichons, mais bien sûr. Pickle madness. All day, every day. Bon, allez, ligne droite. Beeline. Ligne droite. Mes cuisses. Parfait. Merci pour tous les abonnements et pour tous les gens qui se sont abonnés. Merci à ceux qui me suivent sur Twitch. Merci à ceux qui me suivent sur YouTube. Merci à ceux qui attendent avec impatience le troisième bouquin que je peux fournir. Merci à tous ceux qui récompensent mes efforts. Et merci à tous ceux qui sont constamment là pour nous suivre. Les cornichons, madame! Hey, pickles! I thank you so very much for bringing me my pickles! You are my pickle hero! Here are some scraps as a reward for your valiant pickle questing! Ok. Wouh! On est riche. Où est le train? Ok. Tout droit. D'après mes calculs, la dernière fois qu'on s'est fait poursuivre et qu'il a annoncé qu'on se faisait poursuivre, il nous restait 150 mètres à faire, donc là on est large. Normalement. Les genoux. J'aime bien me péter les genoux comme ça. Ça ajoute de la tension. Y'a rien sous le pont. Rien sous le pont. C'est la Zermie. Y'a rien sous le pont. Rien sous le pont. Excusez-moi. Ok. Ok. Oh oh. Fier à lui. Ça. Motherfucker, je t'attends. Je t'attends, Fumiax le fumier. Où il débarque d'abord. Tous les risques sont pris. Tous les risques sont pris. Salaud. Allez, approche! Ah bah oui, hein! Ah bah c'est pas agréable, c'est sûr! Tu recules! Tu recules, saleté! Espèce de clown intestinal! J'en laserise mille comme toi, fumier! Arrière! C'est ça! C'est ça! Tire-toi! Saleté de saloperie de saleté! Bon! Eh ben, on lui a mis un peu. 1000. 0. On peut même se permettre de freiner là. Hop! Yop là! Hé hé!
Ouh. Rondement mené, humilié, pulvérisé, cramé, à moins qu'ils reviennent plus fort à chaque fois. Là, je pense qu'on s'est assuré une petite victoire sur le long terme. Say, you're that monster hunter. I must know, do you have any experience with ghosts? Someone or something has been pinning exactly 16 drawings to lampposts in the boulder field every night. I always collect and burn them, but as I was looking for them last night, I began hearing strange noises and seeing strange things. I only found half of them yesterday because of the commotion. Could you go find the last date and bring them to me? Les pages du champ de rocher. Georgette, je vais être sincère avec toi, tu casses les couilles, Georgette, mais ok. Puisqu'elle insiste, cette courtasse Sarma. 8 pages. Elle a dit au poteau, c'est ça? Ça le mérite d'être simple. Première page. Oh le plan cul! Oh le plan cul! Oh du scrap! Oh le plan cul! Ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Eh, non, c'est vrai, j'ai rebondi. Alors, 4 pages trouvées sur 8. Super. Malheureusement, j'ai pas été très méthodique avec ces conneries. Ce qui fait qu'on va bien pouvoir se griffer les mains. Super, une autre page. Yoink. La pression est max. Il en manque deux, il en manque deux. Ok, 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 ok. Ok, Antitiman, il n'y a pas de problème. Je suis mort. Shit. Il m'en manque deux. Alors avant même de l'activer, est-ce qu'on pourrait essayer de faire un peu de repérage? Calme-toi, tu me poursuis pas là, on est d'accord. Aucun repérage possible. C'est la pommance. Attention les genoux. Voilà. D'accord, t'en bats les couilles, ok, je vois, je vois. Ah! Ah! Je peux pas.
pas le sommet et surtout je peux rien y voir. Putain, je les trouve où tes paplards? Là, en 1, c'est bien. Il en manquera un dernier. Ah! Ah! Mais... Putain. Chier de... Où suis-je? Ah, repousser à gauche, ok. Est-ce qu'il m'aggro tant que je suis pas dans la zone? Bon, on va bourrer. On va bourrer. Il doit y avoir un dernier papier, mais où? Je suis l'exter. C'est pas ça là-bas ou c'est une lampe? Merde, c'est juste une lampe. J'ai réussi à le filouter, mais je trouve pas le papier. Fais des virages. Les virages serrés, le zigzag. Il est où ce dernier papier de ses morts? Ah, ma cuisse. Je le vois pas le papier hein. Ça me rend assez fou d'ailleurs, je tiens à le dire. J'aurais dû être plus méthodique. Quel enfer. Virage serré. Oui, j'entends. Mesdames, j'entends vos revendications énervées. J'entends la révolte qui gronde. J'entends la souffrance. J'entends le doute. Cependant, vous me reconnaîtrez que c'est pas chose aisée de trouver vos paplards à la con. Surtout quand vous êtes possédé du cul et que vous me soufflez dans les bronches. Pardonnez-moi de le dire de peu. Ah, chier, putain. Bon, ça va me gaver cette quête. Ça va me gaver, hein. Là, on l'a pris, là. On va voir ça tout de suite. Quel enfer! Parce qu'il reste un papier et quand il est proche de moi, c'est invisible. Ah bah putain! Là, je l'ai. Ah! C'était juste celui qui était au plus extrême. Parce que, nique toute ma mère. Pas de problème, monsieur le juge. Ah, attends, c'est quoi cette affaire? Ça, c'est le temple aztèque de fin du jeu, compris. Là, on a une quête facultative qui est juste à côté. Allons-y. De toute façon, tant qu'on n'a pas entendu le chouchou... Eh ah, très bien. Tant qu'on n'a pas entendu le chouchou, let's go. Ça tente des feintes à la Messie, hein. Ouais. Bon, allez, c'est Pudibon dans le chat qui était là. Bah, il fallait cette quête, elle est marrante. Il y a une raison pour laquelle je joue pas au Slenderman, moi. C'est parce que je trouve le concept chiant à mourir. Alors, tu cherches un papier, tu cherches les 10 autres, tu te fais poursuivre, ça de pire en pire. En fait, ça te motive juste à te balader et à apprendre par cœur où est-ce qu'il se trouve. C'est bien, hein, mais si je voulais faire du par cœur, j'irais à l'école. Là, oh, ok. Full papier. Quel enfer. Ok, bon, côté débris, par contre, je me suis pas... Ils sont pas foutus de ma gueule, ça. Ça, je dois dire, c'est cossu. C'est même cossu et riche. Du sang partout, ça m'arrange. C'est une gare de train sanguinolente. Voilà qui n'inspire 0% confiance, hein.
J'ai poussé un wagon de secours dans le canyon à l'aide de magnifique vieux train minier, juste avant l'effondrement. Je pensais qu'un wagon serait parfait pour simuler les affaires les plus importantes, surtout sur une piste rurale et inachevée. J'y suis allé chercher quelque chose il y a environ une semaine, au sein même du canyon. Mais certains des hommes de Warren y ont établi un camp, une base. Je ne sais pas comment récupérer ma boîte sans en venir aux mains, et je jure combien de temps je vais tenir sans elle. Ah ah! J'ai vu le mec, hein. Paniquez pas. Hein. Merde, j'ai pas réussi à sauter, tant pis. J'ai vu le mec, mais surtout vu le... Oh, le charbon minier. Et là, ça mène à une mine qui est juste en dessous, n'est-ce pas? Il y a l'air d'avoir des choses, là. Il y a l'air d'avoir des choses, il y a l'air d'avoir des choses. Parlons au pigu qui est à l'étage. C'est parce que j'entendais le tchou-tchou de loin, donc... j'aimerais bien, en fait, survivre à une attaque de train... Mais en intérieur, je me demande si c'est possible. Ou si on meurt comme un caca. Je l'ai pas ramassé le morceau ? J'ai pas ramassé le morceau apparemment. Ok. Bonjour ! Welcome to Aranirum, archivist museum person. Oui. My apologies. I'm not the best with introductions, but I don't believe either of us are here for socializing. I just so happen to have a little business opportunity, if you're interested. A very special little box of mine is in a rail car in the nearby canyon, but the goons have set up a camp to protect that area. So be careful. Find the blue box and bring it back to me. I'll give you some scraps as payment. Okay, donc lui, putain, PTDR, je disais pas. La boîte bleue de Théodore est dans le wagon du canyon. Ramenez-la afin d'obtenir une récompense. Ok, bon, je devrais avoir le temps. Je devrais, excusez-moi, avoir le temps. Descends, descends. Voilà, très bien. On rush, on rush, on rush. Va chercher la boîte bleue. Et ramène-la pour du scrap. Ouais, ouais, ouais. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Pas du scrap là ? Non, y'a rien. Ce jeu te tient à l'affût pour le scrap quand même. Shouldn't be here. Raté ! Raté ! La boîte bleue. Aïe, aïe, aïe. Touché ! Aïe, double touché ! Ouais, ouais, ouais. Si vous pouviez éviter, je serais heureux. Je zigzag. Hop ! Par-dessus la colline, invisible. Ouh ! Shit ! Il me course ! Oh la vache! Jusqu'à quel point il me lâche pas? Beat it. D'accord, et ok. Someone's here. Ok, il est programmé pour ne pas rentrer. Ok, il est programmé pour ne pas rentrer dans les véhicules, enfin dans les maisons quand même. Ok, tout va bien. Ouh! Ah, Dieu merci. Bon, monsieur! That's the exact box I needed. Now take these scraps and skedaddle. Ouh. Pourquoi il te poursuit le redneck? Bah il m'a trouvé à la mine là-bas. Et du coup il était vexé. Qu'est-ce que je te dise? Il m'en voulait un max. Quand à savoir ce qu'on peut trouver dans ce pays à la con, ben... Mais du coup, voilà, on a raté cette quête annexe, mais bon, tant pis. Il y avait sans doute une quête pourrie pour nous. En tout cas, le train est au-dessus, et il y a ce train qui est là. Il faudrait qu'on aille parler à Sacha Rapidos. Sans se faire courser par... 300 mètres. 300 mètres. 300 mètres, hein.
300 mètres, je reconnais qu'il y a une forme de risque que je qualifierais de légère. 300 mètres, je reconnais que c'est peut-être un petit peu ambitieux. En plus, j'ai beaucoup de scraps sur moi, ça me ferait chier de mourir maintenant. 300 mètres, je reconnais que là, à ce niveau-là, c'est de la gourmandise. Eh. Alors, je qualifierais pas ça de pagaille, tu vois, mais... Une petite, petite panique anale. Petit serrage de fion. Voilà, madame. Merci. Ça s'ouvre pas. Des événements étranges sont produits dans le champ de rochers voisins au cours de la semaine. Je suis allé là-bas il y a quelques jours pour vider l'esprit. Comme je le fais souvent, j'ai trouvé un étrange dessin épinglé sur un lampadaire. J'ai décroché la page et j'ai brûlé. Une des meilleures manières pour traiter du papier à paranormal, selon moi. Ce sont les deux autres dessins trouvés la nuit suivante. Même conclusion. Hier soir, j'ai trouvé 7 dessins tous accompagnés de bruits horribles. Retourner là-bas me dit trop rien. La conclusion la plus probable est que l'endroit est hanté. Peut-être par nos membres d'équipage perdus, peut-être par quelque chose d'autre. Alors oui, bah il m'a bouffé 9 fois le machin. Hein. Donc je peux vous dire que... Il était pas forcément hostile, mais Dieu qu'il était con. Du blanc, du vert, du violet, de l'orange et du jaune. Pa-da-pa-pa. On a toujours pas le rouge cependant. Hein. Ah c'est bon ça. Impeccable. Impeccable. Bon. PNJ Russie, mission d'armes. Mission facultative. Petite marche arrière. On est confiant. On est confiant et on va terminer là-dessus dès qu'on aura atteint la destination. On espère que ça va bien se passer. Augmente un peu la vitesse, c'est gratuit. Bien sûr, augmente les dégâts au max, il n'y a pas de discussion possible. Répare un coup de débrix. Accélère. Voilà. Voilà. La vitesse. Hashtag le nerf de la guerre. S'il ne peut pas nous attraper... Ah, et là, j'ai bien calculé mon coup. Gratuit. Le déchargement de toutes les fournitures a été une expérience incroyablement révélatrice. Ici au port, nous avons travaillé toute la journée, tous les jours. Nous sommes chargés de décharger le bateau et de transporter les fournitures sur la colline jusqu'à attendre les voies. Théodore et Eddie se livrent ensuite aux différents sites que nous allons miner. Le coût de toute cette infrastructure est dantesque. Compte tenu du succès de la famille de Warren avec cette entreprise, je me suis surpris qu'ils choisissent de prendre un tel risque ici. Du sang partout. Agréable. Détente, mais surtout des panzani. Là-bas, un bord de mer avec un PNJ, une pluie battante, la foudre, le soleil qui nous... le ciel qui nous nargue, la pression sociale est maximale. Voilà, on s'est placé absolument idéalement pour le prochain épisode, brave Jean. Regarde à gauche, regarde à droite. Reste frais. Ah!